israf le mois de juillet. Est-ce que l'Algérie va ouvrir, ne va pas ouvrir? Combien Air Algérie aura combien de nombre de vols? Est-ce qu'on va se contenter de 6 ou là de 8 vols qui ont pu se faire, les 8 ou là, les 6 vols par semaine qui ont pu se faire pendant le mois de juin? Est-ce que Air France, Transavia et les autres compagnies françaises pourront desservir l'Algérie? Est-ce que l'Emirati a tout ou les Matouilich? Normalement, le Hukoum al-Hali, rien que la Djalbakadiyat al-Hudud, on a dit ou tu te n'as pas fait de temps. وانا مانيش فاهم تبون واش راهو يستنى باش يحاوزهم كاع من دوكا. الحكومه الحاليه هذه لا علاقه لها مع ما فهمتش انايا. هي سي ان كا لاجيري ديفوني ان كا انيدي كونسيرمون لا جيستيون دي فرونتيير ايريان. ما حليناش لي فرونتيير تيريستي ماريتيم، قعدنا غير في فرونتيير ايريان ومازال ما فريناهاش. دوبوي ان موا اوني انكور اون تران دو تيرجيفيرسي، اي نيا اوكان بلون كونكريت. Alors, quelle est la situation aujourd'hui? Air Algérie a annulé tous les vols du mois de juillet. Pourquoi? Parce que le gouvernement n'a aucun feu vert. Aucun feu vert. Air Algérie, chaque jour, il y a des réunions au niveau de la direction générale. Chaque jour. Il m'a des réunions au niveau de la direction générale. Il m'a réunions au niveau du centre opérationnel de l'aéroport international d'Alger. Ils ont des réunions chaque jour. Ils font des scénarios. Ils font des prévisions. Ils essayent de faire des propositions. Mais le gouvernement m'a des péloches. Mais qu'il n'y a aucun feu vert. L'Ium en a dernier la dernière semaine du mois de juin. L'Ium traîne la classe la dernière semaine du mois de juin. La dernière semaine du mois de juin, normalement, vit Aïda ou la Muhtarama, quand un pays est bien organisé, bien géré, elle a non, je ne sais pas si au moins on a un planning. Parce que normalement, à l'ouverture des frontières, comme dans tous les secteurs du pays, tu fais un planning, un planning pour le mois de juin, avec un prévisionnel pour le mois de juillet. Et le prévisionnel du mois de juillet, il change, et tu t'adaptes, tu le modifies, à l'exception des événements qui se sont déroulés au mois de juin, et tu adaptes donc éventuellement le prévisionnel, c'est-à-dire le programme qui devra être appliqué au mois de juillet, en fonction de ce qui s'est passé au mois de juin. S'il y a eu un risque, s'il y a eu des maladresses, s'il y a eu des erreurs à corriger, s'il y a eu des ratages à rattraper, etc. Hnaïa en Algérie, c'est le contraire. Mais quel programme? Mais quel prévisionnel? Mais qu'elle a une boussole, alors il te mchir à la fauda. Mais pourquoi j'ai une fauda? Mais pourquoi une fauda? Elle m'a fauda l'yom, la dernière semaine de juin, elle a géré, mais elle a géré, mais elle a géré. Mais ça me fait comme le feu vert. Mais normalement, une compagnie aérienne, au moins 15 jours avant le début du prochain mois, elle sait quels sont les vols qu'elle va proposer, quelles sont les destinations qu'elle va desservir, quel est le nombre de passagers qu'elle peut embarquer. Elle sait, l'Algérie ne sait rien du tout. ما كاين حتى واحد عطى لها قرار رسمي قالها يا الشركه يا ولاد الناس يا الجزائر واش راح ديروا في المود جو في المود جويي ثاني يا جماعه ما هي عندها حتى معنى ما عندها حتى معنى يا ناس صلوا عندي وخافوا ربي كاين 45 مليون دالجيريان on ne peut pas se jouer de leur destin ou on ne peut pas se jouer de leur on ne peut pas jouer avec leurs sentiments ou la jouer avec leur malabelish leurs intérêts ou la malabelle est jouée avec leur dignité. Carrément, c'est une question de dignité. Le chèvre, on a un chiffre à peu près. Malabelle neige, donc le chauffe-eau, les décisions de la dernière minute, les programmes de la dernière minute, les mesurettes qui sont totalement changées ou la modifiées deux ou trois jours après. Et nous sommes dans un cadre de bricolage. On est dans un bricolage entier. Qu'est-ce qui empêche réellement le gouvernement de se concerter avec Air Algérie et de faire un programme? Qu'est-ce qui empêche, Ejma, alors que vous avez testé le mois de juin? Ou Alèche, maintenant, le corona, il y a un risque. Le risque sanitaire, on a un risque sanitaire. État par état. D'abord, du point de vue logistique. Il y a trois questions qui n'ont pas trouvé encore de réponse, alors que nous sommes à la dernière semaine du mois de juin. Est-ce que le confinement sanitaire, est-ce que le confinement sanitaire obligatoire d'une durée de 5 jours et qui est payant et que les Algériens doivent payer à l'avance avant de pouvoir rentrer chez eux, est-ce que ce confinement obligatoire sanitaire a été efficace? Non. Tous les scientifiques sérieux, les médecins, les épidémiologistes, galèrent le confinement sanitaire obligatoire tel qu'il a été pratiqué du 1er juin jusqu'à aujourd'hui, le 23 juin, il a été totalement inefficace. Chef Nabi Mazafran, je suis dans des hôtels de Bourg-Kivan, je suis dans les Andalous de Wahran, je suis dans pas mal d'hôtels,
moyen, les consignes sanitaires n'ont pas été respectées. Qu'il y a des directeurs d'hôtels, mais ils ne portent pas le masque, les policiers ne portent pas le masque, les gendarmes ne portent pas le masque, les femmes pour faire le test PCR, ils disent la chaîne, le mec là, fauda, les chambres ne sont pas désinfectées, les hôtels ne sont pas propres. Ça a été un échec, excepté quelques bons exemples, bien sûr, il y a eu quelques exemples. Il y a eu aussi des forêts, par exemple, les hôtels qui ont été mobilisés, plus ou moins, ils étaient corrects. Et c'est pas l'hôtel qu'il faut juger, c'est le protocole médical. Un confinement sanitaire n'est pas des vacances, ce ne sont pas des vacances. On n'est pas en train de passer des vacances. On n'est pas là au Club Med. Moi, là, je dis aux autres les vacances. Ou là, non, c'est un protocole médical. Il faut que ce soit un lieu désinfecté, régulièrement, suivi médical. Tout le monde porte le masque. Tout le monde observe les gestes barrières, bien surveillé, un suivi médical régulier. C'est ça, avec des tests de dépistage, avec une capacité de dépister ou de réaliser des tests de dépistage rapidement et sur place. C'est ça ce que c'est qu'un confinement sanitaire. Malheureusement, en Algérie, dans 95% des infrastructures ou même les structures hôtelières qui ont été mobilisées pour le confinement sanitaire obligatoire, ils n'ont pas été aux normes, au niveau. Ils n'ont pas été au niveau. On a aujourd'hui des membres du conseil scientifique de suivi d'épidémie, de l'épidémie de la COVID-19, naturellement, mais on a dit qu'il y a des confinements sanitaires obligatoires, mais il y a des fautes. عقد الامور بالك الناس راح يمرضوا اكثر من يخرجوا صحاح هذا الكونفينمون يدخل تحط كاين يحطوهم دو بار شومبر كاين خلينا شفنا لي فيديو شفنا لي تيمونياج او كور دو سومون دو جوان نو افون ريبرتوري ايكري با مال دارتيكل نو افون ديفوزي انورمومون دارتيكل دو كونتينو سور سيت هيستوار لا سور سي 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 سو كونفينمون سانيتير كي ايتي توتالمون ديزورغانيزي ديستركتوري يا ريان يعني اون نو بو با راسيونيلمون لو مينتينير. Tu ne peux pas le maintenir. Donc Air Algérie, elle ne peut pas programmer des vols, parce que quand tu programmes un vol, il faut la grille tarifaire. Il faut que tu programmes déjà, tu prévois les prix. Est-ce que si on maintient le confinement sanitaire, ce sera un prix? Si on le supprime, ce sera un autre prix. Donc ce n'est pas la faute à Air Algérie. Ce sont les autorités algériennes qui ont du mal à trancher et qui sont divisées. Quel est le fait de le confinement sanitaire dans ce Mekna? Quel est le fait de le faire dans ce Mekna? Quel est le fait de le voilà, où je me suis dit il y a encore des gens sensés au sein de l'État algérien, alhamdoulilah. Il y a des gens de la famille, il y a des gens qui aiment les gens, qui aiment les gens, qui aiment les familles. Malheureusement, les gens du bon sens n'arrivent pas à s'imposer face aux gens de la déraison. Il y a face au clan, il y a le clan du bon sens, il y a le clan de la déraison. Le clan de la déraison, à partir du moment où l'expérience a prouvé, bref, le mois de juin, mais le confinement sanitaire obligatoire, non seulement il n'a pas été respecté du protocole médical, Zid, il a saboté l'ouverture de la frontière. Air France n'a pu faire que 2 vols commerciaux pendant le mois de juin. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas suffisamment d'infrastructures hôtelières adaptées aux exigences du protocole médical qui régit le confinement sanitaire, qui réglemente le confinement sanitaire. Tu ne peux pas faire 2-3 avions supplémentaires par semaine et ramener 300 passagers fois 3, ça fait 900 passagers, et tu n'as pas d'endroit où les mettre pour les confiner, pour la quarantaine. Quarantaine, confinement, appelons ça comme on veut. Ça n'a pas été possible. Algérie ne peut pas ajouter de nouveaux vols. La programmation de nouveaux vols, et la possibilité de voyager ou de revenir dans son propre pays dépend entièrement de la capacité d'organiser le confinement sanitaire. Et notre capacité d'organiser le confinement sanitaire, elle est nulle. Elle est nulle. Maintenant, j'ai les infrastructures hôtelières adaptées, bien gérées, et nous n'avons pas les équipes médicales en nombre suffisamment consistant ou là en nombre important pour assurer le suivi de tous les passagers qu'on voudra confiner. Alors la solution, il y a des solutions, il ne faut pas paniquer. C'est la quarantaine. La quarantaine à domicile. Il y a un bled, DJ. Attendez une adresse. Ah, il y a une semaine, dès là, une semaine, je vais te faire. Vous devez être pour la police.
Et nous avons des policiers, Allah ybarak, ou nous avons des gendarmes, Allah ybarak, en nombre suffisant. Nous avons plus de gendarmes et de policiers que de médecins, ou d'agents hôteliers, ou de spécialistes, ou de restaurateurs, ou d'acteurs de l'hôtellerie, ou du tourisme. Les policiers, les gendarmes, on va les mobiliser, ils auront eu la quarantaine à domicile. C'est la seule solution qui est adaptée pour l'Algérie. Le confinement sanitaire obligatoire à la tunisienne, ou à la canadienne, ou là, à l'australienne, il n'est pas adapté. Il n'est pas adapté. On a dit, avec ça, on a Nasreddin, Nasreddin Gomrale, carnaval, il y a des gens. On a dit, il y a carnaval, il y a des gens. Film, courriel, des vidéos, il y a un mec là qui est un mousra, il y a la chambre mousra, il y a un mec qui est un test de dépistage, il y a un mec qui a les masques, il y a un sel, il y a un khalta. Il faut arrêter cette masque. Quand on tente, ce n'est pas celui qui ne fait jamais se trompe toujours. Ah, plutôt, celui qui ne tente pas ne se trompe jamais. Celui qui tente et qui fait et qui essaye de faire se trompe, bien sûr, parce qu'il essaye de faire. Vous avez essayé le confinement sanitaire, vous vous êtes trompé, il faut corriger cela. Alléluia. Deuxièmement, il faut négocier avec les compagnies aériennes étrangères. Air France, donc, elle a les deux autorisations uniquement pour faire des vols de rapatriement et des vols spéciaux depuis Alger ou la Oran vers Paris jusqu'au 15 juillet. Air France n'a aucune visibilité. Où est-ce qu'elle a Air France? Elle a une semaine par semaine. Qu'il y a qui est Transavia, qui est Acer Airlines, les trois compagnies françaises qui sont agréées ou qui ont les autorisations nécessaires pour desservir l'Algérie, qui ont les accords. Du côté algérien comme du côté français pour desservir l'Algérie. Nous sommes avec semaine après semaine. Qu'est-ce que nous sommes avec semaine après semaine? Je ne sais pas. Nous sommes avec le ballot. Ou le banane. On ne peut pas dire à une compagnie, bon, cette semaine tu fais deux vols. Non, cette semaine tu fais un seul vol. Non, cette semaine tu peux faire trois vols. Ça ne marche pas comme ça. Moi, je suis à Voraj, ce n'est pas le transport inter-wilaya. Ça, c'est transport aérien qui exige une logistique, une discipline, une bonne organisation, une façon, une rigueur sérieuse dans le travail. Est-ce que tu fais mal à un programme? Dès maintenant, un mois à l'avance, le mois de juillet, je n'autorise que deux vols par semaine. Je n'autorise qu'un vol par semaine. C'est comme ça qu'on doit préparer les choses, de manière rationnelle. Il faut justifier à chaque fois. Pourquoi un vol, pourquoi pas deux? Pourquoi trois vols et pourquoi pas quatre? Il faut s'entendre sur une feuille de route. Mais on a une feuille de route à la question des frontières. Nous n'avons pas de feuille de route, ce qui est anormal. Pourquoi nous n'avons pas de feuille de route? Parce que le gouvernement algérien et le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, Habina ou la Kanana, il est président de la République. تحبوا ولا ما تحبوش المفتاح راه عنده هو رئيس الجمهوريه هو يقول انني خايف المرض يعاود يطلع لي يقول لك هو لي ارغومون ني با فهم مليح pour qu'on soit méthodologique pour qu'on soit rationnel l'argument la crainte d'une nouvelle vague de contamination et la crainte d'une nouvelle vague d'infection à la covid 19 elle est légitime من حقه تبون ولا جراد ولا اي وزير الصحه يقول لك بلي انا نخاف نحل فرونتيير يعاودوا لي المرض بصح لا سوليسيون اكزيست باش المرض باش بور سينونسيبي ديفينيتيفمون دو سيت هيستوار دو سيت بانديمي دو لا اي دو لي تيف لا ماشي دو لا شوب دو بلون هادي كي ممكن نوز امبو سيت ايبيديمي واش لازم لنا لا فاكسيناسيون il faut vacciner la population algérienne.